Kertam et Tzadikim, on continue le Peleyoet. Ava la Kadosh Borou, l'amour qu'on a pour Hachem. Ulfi Haemet, il dit le Rav. Ulfi Haemet, selon la vérité. Mashiyesh Ismoach al Tovot Aolam Azé, Vada Atsalot Mina Agarot Aou. Qui bem Tsaout Achaim Vatom Nouchal Yagia et la Tova Gedola. Chei, la Vot et Borim. Donc il dit, le Rav ici, on a parlé et on a dit combien un homme doit se réjouir de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch lui procure dans ce monde-là. Combien on doit se réjouir de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch nous procure dans ce monde-là. Tu as eu des parents aimants qui t'ont éduqué, qui t'ont donné de l'amour, qui t'ont donné de l'attention, qui t'ont donné une éducation, qui t'ont nourri, qui t'ont habillé, qui t'ont fait grandir, qui t'ont tout donné, qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui, qui t'ont conseillé, qui t'ont mis sous la choupa, Baruch Hashem. Et tu as eu ta bar mitzvah, pardon, au départ. Et ils t'ont donné ta bar mitzvah. Et ils t'ont fait une belle fête. Et ils t'ont appris, ils ont essayé de t'apprendre les vraies valeurs de la Torah, les vraies valeurs de la vie. Tu t'es marié, t'es passé sous la choupa. Baruch Hashem, Kadosh Bouy t'a donné une femme. Kadosh Bouy t'a donné des enfants. Tu as pu porter tes enfants, Baruch Hashem. Alors tu les supportes, c'est autre chose. Mais en tout cas, tu as pu les porter. Tu as pu être Sandak, si tu as pu être Sandak. Tu as pu faire la brit mila de tes enfants, tu as pu faire des belles fêtes pour tes enfants. Que tu as porté et que tu as supporté. Et que tu continues à supporter, j'ai dit. À Kadosh Baruch, tous les bienfaits que Dieu te donne, à Kadosh Baruch, il t'a pas oublié. Et il t'a donné ta parnassa. Il a pas oublié de te nourrir. Il a pas même oublié de donner, tu sais, les petits tipim, les plus qu'il te donne à chaque fois. C'est les vacances en plus. Je n'avais pas oublié de donner les vacances. Et les moments de bonheur en famille que tu as passé, les Pessahs en famille que tu passes, et les anniversaires des enfants, des petits-enfants. Et les mariages des petits-enfants, Baruch Hashem. Et tout ce qu'Hachem il donne, tout ce qu'Hachem il te donne, toutes ces tovot, tous ces bienfaits qu'Akadosh donne gratuitement, il ne nous doit rien, Hachem. Il nous donne gratuitement tous ces bienfaits, Akadosh Baruch. Et n'oublie pas, à chaque fois qu'Hachem il t'a tiré d'affaires, tu avais un problème au départ du mariage, c'était compliqué, le loyer, tu n'arrivais pas à finir les fins de mois. Et Akadosh Baruch, le jour même où tu devais payer ton loyer, ben, il est rentré de là parce que là, ils ont oublié de te donner, ils t'ont remboursé quelque chose et tu as eu ça, et c'est venu par le truc, et ton grand-père de France, il est venu, il t'a donné un petit billet, machin, il t'a pu les études et les trucs et le machin. Combien Akadosh Baruch t'a sorti d'affaires? Combien Hachem t'a sorti d'affaires? Tu te sentais pas bien, tu es parti à l'hôpital, ils t'ont dit oh là là, les années sont pas bonnes. Tu dis, c'est pas possible, tu as fait une filade, tu as refait les années, il n'y a plus rien du tout, tout va bien, on comprend pas monsieur. Extraordinaire. Combien Akadosh Baruch t'a tiré d'affaires? Dans le même dans le business, t'es tombé sur un mauvais associé, une mauvaise personne, un mauvais machin. Et Hachem, il t'a sauvé de ça, des mauvaises intentions des autres. Combien Akadosh Baruch, combien Hachem, il t'a sauvé et il t'a sorti de situations complètement difficiles. Tode Alama, Fia Emet. En vérité, tzadik, va dès que tu vas te réjouir de tous les bienfaits que Dieu te donne. Bien sûr que tu vas te réjouir de toutes les fois où Hachem, il t'a sorti du pétrin. Aval Kolze, tout ça, c'est dans un seul but, mon tzadik. Dans un seul but, Akadosh Baruch, il te donne tout ça. Dans un seul but, Akadosh Baruch, il te fait toutes ces tovot, tous ces bienfaits. La avodot, pour le servir. Sache que tout ça, c'est un moyen, comme il est écrit là-bas. Yagmara, elle dit, Srar mitzvah be'alema lika. Il n'y a pas de salaire d'une mitzvah dans ce monde-là. On ne peut pas avoir de salaire de mitzvah dans ce monde-là. Et Yagmara dit, Sachar mitzvah, mitzvah. Ils disent, le sachar du mitzvah, c'est une mitzvah. Le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est encore autre chose. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Mais là, on parle du salaire. Salaire du mitzvah, bon, l'amazé, lika. Il n'y a pas de salaire. C'est-à-dire que tu fais une mitzvah, tu n'as pas de salaire dans ce monde-là. Par contre, le salaire d'une mitzvah, c'est qu'Hachim va te donner la possibilité de faire une autre mitzvah. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas dans le même état d'esprit. Quand tu fais mitzvah, une mitzvah, c'est que quand tu vas t'habituer à faire une mitzvah, sache que tu vas être dans une dynamique de mitzvah. Et la mitzvah t'amène à une autre mitzvah. Non, on ne parle pas de dynamique de mitzvah. Là, on te parle de salaire. Alors, quand je fais quelque chose, j'ai écouté le roi, il va me donner un cadeau. Là, on te dit qu'il n'y a pas de cadeau d'une mitzvah. Il ne va pas te donner, il ne va pas te payer. Tu n'as pas de paye quand tu travailles, tu es dans une entreprise. À la fin du mois, tu as un salaire. Ici, tu pourras travailler toute ta vie, tu n'auras pas de salaire. Donc là, c'est autre chose. Là, on parle de dynamique quand tu parles, toi. Moi, je parle de salaire. Tu comprends? Oui, non, non, oui. Il nous redonne un ticket pour faire un tour de manège. Voilà, mais c'est pas le cadeau, c'est pas le salaire. Donc on te dit que Sachar mitzvah ba'olam hazeh lika, il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde-là. Il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde-là. Non, mais attends, mon chatzadik, Merila, oui, à part celles qui sont écrites, mais Mefourashé dans la Torah, Abal, les mitzvot, il n'y a pas de. Bravo, Rabbi Cédric, Kol HaKavod.
pourquoi il dort, il n'a rien dit. Il l'a pensé. Il l'a pensé, mon tzadik. On le dit tous les jours, pas du tout, on le dit tous les jours. Veya, imshamoa, tishmeh, blidotah, shamit, savechayom, hop, 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 qu'est-ce qui maintenant, si quoi, dans Veya, dans Kratchema. Si vous écoutez ma parole, alors, je vous donnerai la puissance au temps. Et vous allez. J'ai pas entendu. Il a fait sortir la récolte de votre terre quand il faudra, il y aura la pluie. Voilà, il y a un salaire. Il y a Dieu, il dit. Si vous écoutez mes paroles, voilà, donc si on fait les mitzvot, la Torah, les mitzvot, on a un salaire. Omer Arambam. Omer Arambam. Il dit le Rambam. Il a fait, mon Rabbi Cédric. Il dit le Rambam. Il dit le Rambam. Quand on dit, quand là-bas, dans Kriyat Shema, on dit, et si vous écoutez toutes mes ordres et toutes mes mitzvot, alors vous aurez la pluie en son temps et vous aurez la récolte. Il dit, c'est pas le salaire des mitzvot. C'est ce qu'il dit, c'est le Pele Yoetz. Ça veut dire qu'un Kadosh, il te dit, regarde, si tu es dans une dynamique de mitzvah, de Torah, si tu écoutes ma parole, il dit Dieu, si tu écoutes ma parole, il dit Kadosh Baruch Hu, si tu accomplis mes mitzvot, je ferai en sorte, moi, que vous puissiez encore étudier la Torah et encore pouvoir faire des mitzvot. Mais ce que tu vas recevoir, ce n'est pas le salaire. Si je vais te donner la possibilité, je vais te mettre dans un cadre, je vais te créer la situation où tu pourras continuer à faire des mitzvot. Aval, le salaire du mitzvah, Barol Amazé, l'Ika. À part, comme l'a dit Rabbi David, où c'est écrit mes forages dans la Torah, par exemple, Kibbud Avaim, le fait de respecter les parents, alors ça allonge la vie. Mais ce n'est pas le salaire de la mitzvah. Détrompe-toi. C'est pas le salaire de la mitzvah. C'est-à-dire que quelqu'un, la Torah, juste, elle te dit que sache que tu auras quand même un bienfait dans ce monde-là. Quelqu'un qui va honorer ses parents, il va déjà tirer profit dans ce monde-là. C'est quoi le profit qu'il aura? Il va gagner de vie pour pouvoir encore plus honorer ses parents et faire d'autres mitzvahs. Mais ce n'est pas le salaire de la mitzvah. Mais Lama, mon Rabbi. Rabbi Chaim, pourquoi? Pourquoi est-ce que Zil Chaim, il dit à Kadosh Baruch Hu, le salaire du mitzvah, Barolam Hazé, Lika. Il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. Pourquoi il n'y a pas? Vas-y, Gal. C'est normal, c'est la mitzvah. Comment? Bravo, Rabbi Gal. Kolakawan. Un petit son tunisien, c'est reparti, tu vois? Écoutez bien. Disent les Chachamim, si tu prenais toutes les bontés, toutes les bienfaits, toutes les tovotes que Dieu peut donner dans ce monde, qu'un homme et l'humanité, du début de la création du monde, jusqu'à la fin de la création du monde, et tu associes à toute l'humanité qui va vivre, tout le bon, tout le bien, tout le bonheur, écoute bien, tout le bonheur, tout le salaire que ces personnes auraient pu avoir dans ce monde-là, ce n'est pas le salaire du mitzvah dans le monde futur. Il n'y a pas. On n'a pas dans ce monde-là matériel de quoi te payer le salaire du mitzvah. C'est pas que Hachem ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. J'ai pas de quoi te payer. C'est comme si tu vas maintenant à quelqu'un et tu dis, écoute, je te dois trop. J'ai pas la banque, on n'a pas assez. On a pas assez pour te donner. Il faut que tu repasses. Ah ben, tu repasses quand? Après 120 ans, tu vas avoir ton salaire entier. Ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse, c'est celle, mes réponses, elle me plaît énormément parce que c'est un moussard à skel. C'est un moussard pour la vie, mais tzadiki, mais ça nous va nous booster, Bezrat Hachem. C'est quoi la deuxième réponse également? On avait amené cette réponse. Rabbi Chaim, rappelle-toi. Oui. La mitzvah elle-même. Oui, ça, on avait dit ça. Non, ça, on vient de dire maintenant. Celle qu'on vient de faire, c'est le salaire. Cédric l'a dit. Alors écoutez bien. Il y a une question qui est posée par les commentateurs. Lorsque il y a Esav revient de la chasse, et il a crié, il était aïef. Il était fatigué. Et là, Yaakov Avinu est en train de préparer un plat, le plat de lentilles, le fameux plat de lentilles. Pourquoi il faisait des lentilles? Regardez. Comme quoi la Torah est tunisienne, nos patriarches étaient tunisiens. C'est le khlalem, les amis, qu'on mange à Tchia Béab. Le khlalem, c'est le minak tunisien, tzadik. Les petites pattes, les becs d'oiseau avec les petites lentilles à l'intérieur qu'on mange à Tchia Béab. D'accord? Pourquoi? C'est le deuil de Jérusalem. Alors, comme il y avait Avraham Avinu qui était niftar, Avraham Avinu était mort. Ils étaient en deuil, ils préparaient à manger à son père, Yitzhak. Il a fait un plat de lentilles. D'accord, pour son grand-père, exactement. Et Esav, il arrive du champ, et il était fatigué de la chasse, et il dit, je suis fatigué, donne-moi à manger, je vais mourir. Alors Yaakov lui dit, écoute, à une condition, on connaît l'histoire, on a tous vu le film, tu me vends ton droit d'aînesse. Et là, Esav, il accepte. Et Esav, ce goinfré de la machin, et il va lui vendre le droit d'aînesse. Tous les commentateurs de s'interroger. Il y a un klal bagmara, il y a un klal ba'alakha. Il y a une notion qui s'appelle mekartaout. C'est quoi mekartaout, Igal? Tu ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas à son prix. D'accord? Tu ne peux pas. Si maintenant moi je viens, je te vends
À part tout ce qui est... Non, non, Mechila. À part tout ce qui est immobilier. Je sens. Non. À part l'immobilier. La Gemara, elle dit l'immobilier, il n'y a pas de prix. Lama. Parce que même si c'est un... La Gemara, elle dit quand dans Baba Batra, parce que... Et c'est comme ça, la halakha. Parce que, imagine maintenant, c'est un coin perdu, complètement un truc complètement naze. Il y a une petite maison là-bas. Et le gars... Normalement, les prix dans le truc, c'est quoi? C'est 200 000 shekels, d'accord? Tu fais la fête. C'est... Et lui, là, il est prêt à prix 1 million. 1 million, il est prêt. Mais c'est 200 000. C'est-à-dire, tu vas faire x 5. C'est du vol. Non. Pourquoi? Parce qu'il veut habiter à côté de son rab. Et le rab, il habite à 2 mètres. Et il est prêt à payer, machin. N. C'est sa valeur que lui, il donne. L'immobilier, il n'y a pas de prix. L'art aussi, il n'y a pas. Il parle pas de l'art, la Torah. D'accord? Peut-être, mais Tmanik, c'est pas chez nous. C'est de l'abstrait, c'est marrant, c'est rien, c'est une goutte, c'est un point, c'est un point, c'est bizarre, c'est du cochon. Donc que l'immobilier. Maintenant, tout ce qui est mobilier, tu ne veux pas venir maintenant vendre, tu ne veux pas venir vendre une bouteille d'eau qui est à peu près, je ne sais pas moi, elle va te vendre 10 shekels, d'accord, la bouteille ou 15 shekels, et toi tu vas vendre à 100 shekels. Ça s'appelle Mekartaout. C'est quoi Mekartaout? Erreur de vente. Mekartaout. C'est une vente. Alors attends. Mekartaout. L'homme est chané. Ça, c'est pas. On s'en fout. Tu vends. Tu n'as pas le droit de vendre plus que la valeur. T'as tout avant, tout après. T'as une petite marge, mais tu n'as pas le droit. Mekartaout. Et donc, halakhiquement parlant, la personne va au Bedin et la vente elle est nulle, caduque, zéro. Les commentateurs vont venir dire, mais quand Yaakov Avinu il va vendre un plein de lentilles pour le droit d'Enes, c'est quoi le droit d'Enes? C'est quoi la Bechora? La Bechora c'est servir au Beit HaMikdash, la Bechora c'est la Mabba, la Bechora c'est quoi Tfila, la Bechora c'est quelque chose de spirituel. Tu vends quelque chose comme ça par rapport à un plein de lentilles. Mais Kartaout, il peut venir, comment il s'appelle? Esav. Et il va dire, mais c'est pas le prix de la mitzvah. C'est pas le prix de la mitzvah de Bechora, de Bechor, d'être au Beit HaMikdash, une mitzvah de servir au Beit HaMikdash. C'est pas le prix, mais Kartaout. Yaakov, il connaît pas la halakha. Et là, et c'est annulé, a priori. Et là, il est venu, il a dit, mon rabbi Shmuel, écoutez bien, Blainara, nous on prend des vrais recrues, monsieur. On n'est pas le PSG là qui prennent que des stars. Nous on prend des gens qui mettent des buts. Bokchich. On prend Bokchich de l'OM. Bokchich de l'OM. Alan. Ouais, messieurs, écoutez bien. Il a dit... Hein? Ah, joli. Écoutez bien, messieurs. Il dit des commentateurs, écoute bien ce que tu as dit, mon tzadik. Pourquoi c'est pas mes cartes à out? Pourquoi c'est pas mes cartes à out? En vérité, Khabibi, écoute bien. C'est quoi que dans ce monde-là, il n'y a pas le salaire du mitzvah? Elle n'a pas de prix, le mitzvah. C'est pas qu'elle n'a pas de prix, le mitzvah. Pourquoi elle n'a pas de prix? Il a dit ce qu'il a dit, c'est magnifique. Une autre... Pourquoi elle n'a pas de prix, la mitzvah? C'est pas qu'elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix fixe. En vérité, la mitzvah, elle prend le prix que toi, tu vas lui donner. Shamata, on l'avait dit, Travel, tu vas toi donner le prix de la mitzvah. Et en vérité, ce n'est pas Mekartaout ce qu'il a fait Yaakov avec Esav, comme tu as dit. Et ça, pour lui, la Bechora, c'était ce que ça coûtait. Alors vas-y, Habibi, c'est ça que ça vaut. Alors ça vaut ce que ça vaut. Ça veut dire qu'après 120 ans, tu viendras là-haut, tu dis, mais attends, on m'avait dit qu'il n'y a pas de salaire d'une mitzvah dans ce monde-là. J'ai mis mes tefilines tous les matins. Et tu vas recevoir une trottinette. Sans, même pas un moteur. Tu dis, mais j'ai fait la mitzvah. Et le mec est à côté de toi, à la tuila, tous les matins, il a une Lamborghini Countach rouge, avec les trucs qui s'ouvrent, les portes qui s'ouvrent et la blonde. Non, je rigole. Et là, comment c'est possible? Et Maseret Ragiga à côté, comment c'est possible? Finissez vos phrases. Et là, Maseret Ragiga à côté. C'est extraordinaire. Il dit, mais j'ai fait la même chose, on a été les deux à la même heure, on est arrivé. Pourquoi lui, il a la Lamborghini, moi j'ai une trottinette? Qu'est-ce qu'on lui dira? Mais t'as vu lui comment il faisait ses tefilines? Avant de sortir les tefilines de sa pochette, il les embrassait. Il les embrassait. Quand il mettait les tefilines, il avait les poils qui se hissaient, Habibi. Il avait les poils qui se hissaient. Il était amoureux de la mitzvah de tefilines. T'as vu qu'avec quel ahava il faisait, avec quel élan, avec quel entrain il faisait. Toi t'es arrivé, si tu gardais les tefilines, si tu gardais... Il arrive David moins 5. Si tu gardais les tefilines jusqu'à Ovalet Tzion, c'était un miracle. Tac, c'est déjà terminé. Pas Alilou Chabert, tu vis dans l'ascenseur. Bonjour. C'est tout. Tu donnes le prix à ta mitzvah. C'est-à-dire que la même mitzvah, il y aura un salaire différent. Lama, parce que c'est toi qui donnes le prix à ta mitzvah. Shamata, ce que ça veut dire. Et ça, c'est un grand moussa, Rabbi Yigal. C'est un grand moussa. Nous donnons le prix aux mitzvot que nous accomplissons. Plus on va mettre de l'élan, plus on va mettre de l'ahava, plus on va mettre de l'amour, plus on va mettre de notre personne dans la mitzvah, plus on va donner de la valeur à la mitzvah.
Mais plus après 120 ans, on va donner un prix à cette mitzvah. Ben, Bezrat Hashem, continue demain.